légende du roi Arthur. Chapitre 4. Guenièvre de Carmélide. Résumé des épisodes précédents. Arthur est devenu roi des Bretons. Grâce à Excalibur et son fourreau magique, il est devenu invincible. La Bretagne, unie derrière son roi, fait trembler les autres nations. Merlin, j'ai bien réfléchi. Il me faut une reine. Mais qui n'est que Guenièvre pour combler mon cœur? C'est la fille de Léodagan. Et ton union garantira son soutien pour toujours. Merlin, je te sens réservé. Où est le problème? Elle semble être la reine idéale, pourtant... Je sens qu'elle causera ta perte et celle des chevaliers de la table ronde. Enfin, Merlin, tu peux te tromper des fois. La magie n'est pas une science exacte, mais... Moi, Arthur, roi des Bretons, je ne crains rien ni personne. Je te laisse réfléchir, mon roi. Mais nul ne peut échapper à son destin. Non, mais il commence à se faire un peu vieux, le sorcier des forêts, là. Guenièvre sera ma reine. Laissez-nous, je vous prie. Bonjour, ma fille. J'ai une nouvelle qui me transporte de joie. Le roi Arthur m'a demandé ta main. Je suis peut-être un peu jeune pour prendre un mari. Il suffit. L'union de nos deux familles garantira la paix en Bretagne pendant des générations. Tu as raison, père. Il est mon roi et c'est un charmant garçon. Je l'épouserai et la paix règnera à jamais. Et c'est ainsi que Arthur prit pour épouse la belle Guenièvre de Carmélide, plus belle et plus désirable que jamais. Ah mon frère, mais quel beau mariage! Merci ma sœur! Mais qui est cet enfant près de toi? Eh bien je te présente mon fils, Mordred, qui sera, j'en suis sûre, l'un de tes plus braves chevaliers. Je t'en prie, montre-lui la salle d'armes. Allez, viens Mordred, je vais t'apprendre à devenir chevalier. Allez Mordred, vas-y! Invisibilis. Aha. Au secours, à moi, au voleur. Mais que se passe-t-il, madame? Morgane, que t'arrive-t-il? C'est affreux. Je viens de me faire attaquer par deux hommes vêtus de noir. Ils se sont emparés de ton fourreau. Vite, tu peux encore les rattraper. Du côté de Tintingel. Alors, Méléagan, après ta couronne, voici qu'ils te volent ton amour? Mais de quoi parles-tu? Guenièvre n'était-elle pas ta promise? Oui, je l'aimais dès le premier regard. Mais il a fallu que ce gueux arrache cette stupide épée pour changer le destin à jamais. Je t'ai connu plus combatif. Arthur est devenu invincible et plus personne ne me soutient. Tu oublies, mon cher, que nous avons un ennemi en commun. Et je connais son secret. Regarde ce fourreau. C'est le secret de son invincibilité. Alors, rassemble le peu d'hommes qui te restent et fais-lui mal. Vise le cœur. Arrache-lui ce qu'il aime le plus. Enlève Guenièvre. En plus de détruire Arthur, tu pourras forcer Léodagan et ses chevaliers à nous rejoindre. J'y cours, madame. Bonjour, ma reine. Arthur est-il là? Non, il est toujours en quête du fourreau d'Excalibur. Mais qui est le jeune homme qui se tient à tes côtés? Eh bien, Guenièvre, je te présente Lancelot du Lac, le fils d'une amie chère à mon cœur. Elle est trop belle. Il est écrit qu'il deviendra le plus grand des chevaliers. Et c'est pourquoi je demande à ce qu'il soit adoubé aujourd'hui. Mais Arthur n'est pas là. Ma reine, en son absence, vous avez tous les pouvoirs. Lancelot, au nom du roi Arthur, je te nomme chevalier de la table ronde. Je jure loyauté au roi Arthur, et par ce fait, fidélité éternelle à sa reine. Guenièvre, je serai ton champion. Te servir sera mon unique raison de vivre. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous!